Ceci est la torche des rois. L'allumer indique à tous qu'un guerrier cherche à accéder à la pointe du monde. Encore à un jour de marche de la pointe du monde. Seul à vouloir que cette mission réussisse. Si vous tuez le Seigneur des Ténèbres, tous les démons hors de l'enfer mourront. Seconde partie de la première mission du second DLC, je sais c'est un peu compliqué à suivre, du second DLC The Ancient God, on s'attaque à la montagne sentinelle après avoir fait village sentinelle. Alors après une sublime cinématique, alors ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le premier DLC, ils en ont remis, ça c'est super. Par contre, tout comme le premier DLC, le jeu est extrêmement exigeant et demande de bien maîtriser l'ensemble des armes par rapport aux ennemis pour pouvoir les éliminer. Et le jeu n'est pas de tout repos. Cependant, le jeu est assez sympa parce que il vous offre tout un tas de nouvelles armes. Notamment cette espèce de hache. Certains ennemis déjà auparavant étaient sensibles à des attaques là carrément, si vous n'utilisez pas la bonne attaque, ils sont invincibles. C'est cette espèce de gargouille de pierre. Alors c'est vraiment pas évident, surtout si comme moi vous n'avez pas joué depuis longtemps. Par contre une fois que vous avez les armes et les mécanismes qui arrivent, là c'est assez plaisant. Ah,
Je m'embête là. Pas très bien. Il était mort. Ah, cette espèce de marteau est beau, lui. Alors, lui, par contre, son arme, c'est le laser. Ça touche pas, plus de tour. Utiliser ça, mais le ah, par contre, il y a des vies, il y a des trucs à choper. Pardon. Oula. J'étais surpris par où il voulait me faire passer. Merde. Roquette. On va pouvoir avoir la carte du jeu, c'est ici. Donc après que le dragon nous ait dépousé, là il y a eu un gros gunfight. Et après avoir sauté un petit peu, c'est juste là. Oh, je me disais, je suis étonné qu'il meure. Là, double vie. Ah. Page de codex. Premier bottin qu'on trouve. Je
cherche à choper. Je l'ai chopé. Par contre, comment je reviens? Ah, tiens, c'est marrant ça. Ok. Oula! Oh, j'ai pas compris quoi, comment ça m'a. Je suis tombé tout de suite. Ok, sympa l'accueil. Ah, Kinder surprise. Oh, il faut y aller, hein. Donc ça va peut-être à un moment donné, ça va peut-être être compliqué. Sensible, s'abstenir. Une troisième vague. On est tombé, hein. Confrontation amplifiée. Les confrontations amplifiées sont des confrontations comprenant deux vagues à difficulté croissante. Seule la deuxième vague est optionnelle. Venir à bout de la première vague octroie une amélioration du marteau sentinelle. Vaincre la seconde donne un élément cosmétique. J'avoue, je suis plus intéressé par le premier que le deuxième. Écoute, j'ai avoir mon super parcours de là-bas. Heureusement qu'il me donne de la vie. Quand on voit le mec clignoter et qu'il y a du monde devant qui nous empêche de... La vie n'est pas très grande, mais c'est parce que j'ai pas été visité encore.
avec leur espèce de bouclier là. Il y a trois fois à côté. On en est où là dans leur histoire de vague? Oh là! Il me semble en entendre un. Là. C'est lui qui sont timides. Nice. Confrontation amplifiée, ok. Marteau sentinelle, oui, ouais. Les démons touchés par l'écrasement au marteau laissent plus de munitions, ça c'est bien. Slayer de la pointe du monde. Soyons fous. Faut le réactiver, non, merdier, hein, pour... Avertissement, interagir avec le second nid déclenche une confrontation encore plus difficile réservée au meilleur. Ouais, je suis pas le meilleur. Cette confrontation est optionnelle, mais en venant entre. Ouais. J'en ai eu qu'un sur les deux. Cette arme est géniale, mais alors qu'est-ce qu'elle dit ça? Le shotgun est souvent très apprécié également. Il y en a un qui clignotait mais il s'est retrouvé dans mon dos. J'ai besoin de temps un peu là. Lance-roquette pour toi monsieur. Ils sont, mais il y a du monde. Hein. Je
Apparemment, il est en train de se constituer. Je me souviens juste qu'il faut le tuer rapidement. Ouais. Je suis du marteau là, parce que c'est un peu le danger. Je peux bloquer un peu. Un peu comme ça. Je voulais pas spécialement l'utiliser, mais là... Encore celui, l'espèce de prêtre là qui... C'est un merdier interminable. Bonne chose qui finit par crever. Je dois avouer qu'à un moment donné, on est en mode survie. Putain, il y en a encore. C'est possible. Il y en a encore un peu ou quoi là? Il y a un mec qui les ramène à la vie là. Alors là par contre c'est moyen, j'ai été bloqué. J'ai vu quelqu'un se transformer. Je suis la merde. Encore là ou quoi? De le faire, ça sortait pas. Le temps que je regarde de côté.
sont pas terminées quand même, hein. Putain, mais il y en a encore, mais c'est pas possible. Oh là là, il y a le mec qui... Il faut du... Comment ça s'appelle ? Du plasma pour se le faire. Honnêtement, je sais pas si je le refais parce que c'est pas tant bien la difficulté qui me gêne, c'est le temps quoi. C'est... Les gunfights passés 10 minutes, ça commence à être un peu. Parce qu'au moins j'ai des bavards. Ok, tu me mets dessus, maintenant on est là. Un glory kill sur un sur. C'est joli mais par contre c'est pas sur la bleuza il faut que j'utilise mes balles. Oh non il y en a un autre en l'air. Ah c'est rigolo mais je me demandais si ça va finir. Alors, on va se mettre dessus hein. Même pas si je l'ai eu. J'ai même pas été touché par mon. Ça m'a joué un peu de tranquillité. Par contre, ça sent bien que les autres se foutent pas dedans. Ah oui, j'ai plus de portail. On va pas, attends, je t'écrase la tête. Je pense que là ça sent la fin là, c'est bizarre. C'est tout de suite plus calme. Quel enfer. Il doit en rester un quelque part. D'où le petit titi là. Oh, oh, oh. Bon, on est content, on a gagné un skin. Terminé deux confrontations pifi. D'accord, et donc ça nous donne ces deux trucs là. La Kodak. Bon. Ok, et puis il faut la bonne arme. Alors ça c'est un truc qui est infernal. Le coup de l'arme, si tu l'as pas en main, que t'as pas anticipé le truc, je suis en train de me dire, est-ce que je peux le... C'est pas évident. Hein. Ça sent le fight encore une fois. Marteau sentinelle. Utilisez le marteau sur le maraudeur et le baron blindé pour agrandir leur fenêtre de vulnérabilité. Ça c'est bien. Marteau sentinelle détruit également tous les boucliers énergétiques bleus.
Il est génial, hein, ça. Faut quand même avouer que c'est une invention merveilleuse. Ah, attends, c'est le laser, hein. Faut sur lui. Ah, ces trucs là, je me souviens pas trop, mais si maintenant ça me revient, c'est un peu comme le vélo. Ils sont obligés d'aller m'emmerder pendant que je fais des kills ou snipe. Attends, je l'ai pas eu. Peut-être plus d'une balle, hein. Ah, et les démons forcés, ils ont abusé. Avant, il y en avait un par... par map, maintenant c'est 3 fois. Gunfight là ou pas, parce que j'aime pas trop m'amuser à faire les sauts petit reste du monde, musique se calme. Je sens pas avoir vu de truc pour le... pour mon fusil, mais attends, je le prends parce que... par défaut... Ah! Point faible, mais qui ressanglant. Démon massif qui s'avère vulnérable lorsque ses boucliers sont... activer les boucliers se désactivent lorsqu'il utilise ses attaques principales. Ça, on les avait déjà rencontrés, hein. Sa tête et son point faible lorsque ses boucliers sont désactivés, il s'est la tête. Saloperie, ce monstre, on l'avait plutôt dans le dernier niveau du premier DLC. Eux plus une armée de mange-pâques à côté, c'est un peu l'enfer. Parce que viser. Ici quand on les bouscule de partout. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un depuis le début. J'ai l'impression que je les one-shot, mais il en arrive encore. Il est
Oh là là, putain. J'ai à chaque fois, j'ai un morpha qui me décale. Non, c'est rien. Ah ouais, j'ai pas de soucis être précis, mais alors... Du coup, avant que le mur apparaisse, il fait que je saute. Ah. 1, 2, 3. Ah, en super. Magnifique. Alors, je pense que c'était fait exprès. Et alors, le truc qui nous donne le coup de tentacule au moment où on doit sauter, c'est là ça. J'étais tout content de moi, ça se passait bien. Je peux sniper le queue, voilà. C'est où? C'est un petit bot maintenant. Pareil, si on me gêne pas trop. C'est pas mal. On a retour. Je sais même pas voir quand est-ce que l'arachnide est mort. J'ai cherché beaucoup au corps à corps quand il clignotait et je l'ai jamais vu pour la vidéo. Remonter sur ma petite plateforme là, me le permettre, ou je peux rattraper le coup comme ça. Ah. Ouais, ok. Pour se faire pardonner de nous avoir lâché. Putain, merde, il me reste encore un botin à choper. Hein. Joli, hein. Ta sœur.
pointe du monde. Troisième partie. Ça ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent, même à Urdak. Ce qu'il va falloir descendre. Ah ! Très mauvaise arme. Franchement, c'est relou d'avoir associé ça à une arme. Je suis où? Je suis où? Faut que je parte à gauche ou à droite? Par contre, il y a un temps ou pas? J'espère que je peux prendre ce truc là. Hein. Ouh. On est passé. On l'a fait. Pourquoi l'interrogation, c'est mon bottin. Ah, le truc. Tiens, on peut redescendre. Hein. C'est bizarre, mais j'ai pas très envie de savoir ce qui se passe en dessous. Attends, parce que je vais pas avoir le choix. Hein. Ok, il n'y a plus de vent. Putain, il y a encore un truc à tirer là. Oh. Question que je me pose, c'est est-ce que je dois le tirer maintenant, machin? Ça c'est die and retry, j'aime pas trop ça. J'ai l'impression que ça peut pas passer. Par contre après j'aurais pas besoin quand même du vent pour... Ouais, ok. Je peux savoir... J'avais pas vu que... Là, tu vois, je peux remonter, donc là je tire. Et ensuite. Ah, j'ai pas compris. Mais le vent doit me pousser. Bon, ce passage est un peu pénible parce qu'il faut mourir et réessayer un certain nombre de fois. C'est... Casse-pied encore. Je reste poli. Ah, voyage rapide. Débloqué. Ah, déjà prendre notre dernier bottin. Codex. Ouais, une belle illustration. Cette fois-ci, c'est comme un espèce de hiéroglyphe. Et j'ai l'impression qu'on a tout chopé. C'était pas facile, hein. Surtout avec ces trois zones là. On a débloqué le voyage rapide. Bon, terminé avec ce. J'ai trouvé l'emplacement de la porte de Divoun. Première mission. Découpée en
en trois parties. Bon, les deux premières sont assez longues, la dernière est un petit peu plus courte. En tout cas, très sympa d'avoir mis des. Alors, ponctué de cinématiques, elles sont superbes. C'est très cool. Bah écoutez, on se retrouvera dans un troisième épisode pour découvrir la seconde map.